Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer ce camouflage gratuitement sur Fortnite. Donc c'est une exclusivité à tous les joueurs qui jouent en arène, donc dans le mode arène, donc compétition. Donc c'est une récompense uniquement pour ces joueurs-là. Et je vais vous expliquer comment la débloquer. Alors il faut savoir que vous voyez la récompense, le camouflage que vous voyez là, au bout de son arme, il y a une récompense, donc c'est la couronne de ligue supérieure, quoi. Donc ceux qui sont vraiment qui ont terminé la ligue, ben ce logo il va changer en fonction de votre ligue actuelle. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est un camouflage qui change en fonction de des paliers que vous êtes actuellement sur Fortnite, si j'ai bien compris le délire. Donc ça c'est le camouflage que vous allez pouvoir débloquer sur toutes vos armes. Alors pour le débloquer c'est très simple. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Enfin très simple. Non, tout est relatif les mecs, hein. C'est pas super simple. Donc déjà il faudra jouer en mode arène, donc compétitif. Donc vous allez ici, vous pouvez jouer pour l'instant en solo, duo ou en trio. Hop. Ensuite quand vous êtes ici, vous appuyez sur R2 pour avoir les détails de la division. Donc là il faut savoir que je suis division 1. Si je veux débloquer le camouflage que je vous ai montré juste avant, il faut que je passe division 5. Donc c'est la ligue, je sais plus comment elle s'appelle, mais je vais vous montrer après. Donc là il faut savoir qu'il faut que je gagne 400 points d'expérience pour monter d'un niveau, ok. Donc c'est quand même assez long à faire. Après, voilà, je ne joue pas en ligue, donc je pense que c'est quand même réalisable en quelques games, mais voilà, c'est pour vous prévenir. Donc moi je suis en ligue ouverte. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 4 niveaux de ligue ouverte, et puis ensuite vous arrivez à la ligue rivalité. Donc dès que vous arrivez à la division 5, vous êtes en ligue rivalité. Et là, ben, vous débloquerez la récompense du camouflage. Parce que c'est le concept, c'est d'arriver en ligue rivalité pour débloquer cette récompense. Et en plus, il est marqué, hein, regardez, gagner des récompenses. Donc voilà, ça c'est nouveau. Depuis cette saison, il donne des récompenses pour ceux qui y arrivent en ligue rivalité. Après, si vous arrivez en ligue champion, là, vous allez pouvoir carrément participer au tournoi cash prize. Mais c'est très compliqué d'arriver en ligue champion. Alors, score, ici. Donc là, par exemple, quand vous allez commencer, le ticket du bus coûte 0 flamme par exemple, ok. Donc chaque élimination ça vous rapporte 20 flammes, donc je pense qu'avec 5 éliminations, ouais non, il vous faut 400 flammes. Donc je pense qu'en 3-4 parties, voire peut-être 5 parties, vous allez pouvoir atteindre 200 flammes et vous allez passer division 2. Ensuite division 2, le ticket c'est gratuit toujours, et là il vous faudra sûrement 500 flammes pour passer division 3. Ensuite, toujours gratuit les tickets. Donc, il vous faudra encore 5-6 parties pour augmenter division 4. Ce sera sûrement 600 flammes. Ensuite, division 4, là, vous allez perdre moins 10 flammes à chaque fois que vous allez lancer une partie. Donc, en fait, en réalité, la seule difficulté, c'est à partir de maintenant que vous allez l'avoir. Parce que avant, c'est tout simplement, vous faites 15 games. Allez, 15-20 games, si vous êtes un bon ou un joueur normal, en 15-20 games, vous arrivez division 4. À partir de division 4, là, pour passer division 5, ça va être un peu plus compliqué parce qu'à chaque fois que vous allez lancer une partie, vous allez perdre 10 flammes. Et pour gagner, pour regagner ces 10 flammes, faut au moins être dans le top, dans le top 50. Faut au moins atteindre le top 50 pour gagner les 10 flammes de la partie. Sinon, bah, vous allez perdre 10 flammes à chaque fois. Et si vous perdez des flammes, vous retombez division 3, etc., etc. Donc quand vous êtes division 3, vous ne pouvez plus redescendre parce que bah, vous perdez aucun ticket à chaque fois que vous lancez une partie. Donc ça, c'est pas mal. Mais là, pour monter division 4, il vous faudra peut-être, je sais pas moi, 1000 flammes. Et ensuite, vous arriverez division 5. Dès que vous arrivez division 5, vous arrivez en ligue rivalité. Et là, vous débloquerez le camouflage comme récompense. Et là, dans la ligue division 4, ouverte toujours, les éliminations, c'est 15 flammes. 15 flammes par élimination. Victoire royale, 50 flammes. Donc si vous êtes un bon joueur, ça va pas être
Franchement, je pense que n'importe qui peut y arriver si vous vous donnez un peu la peine. Ligue rivalité, vous pouvez tous y arriver. En vrai, c'est pas super compliqué. Vous jouez allez, 2 jours d'affilée. Je pense que vous y arrivez facilement en ligue rivalité. Bon, certains d'entre vous vont y arriver en 2 heures, 3 heures. Mais si vous persévérez, je pense que tout le monde peut débloquer ce camouflage. Franchement, assez facilement. Après, si vous voulez faire des tournois cash prize et tout, là, ça va être galère. Là, ça va être galère parce que regardez. En Ligue Division 5, donc Ligue Rivalité, vous perdez 20 tickets à chaque fois que vous lancez une partie. Ensuite, 30 tickets en Division 6, en Division 7, 50 tickets. Et là, vous arrivez. Donc déjà, pour arriver en Ligue Champion, vous devez faire soit un top 1 ou soit 4 éliminations pour récupérer rien que le ticket du bus, pour ne pas être perdant de votre partie. Donc c'est compliqué quoi. Après je suppose qu'ils vont vous demander genre 2000 flammes voire 2500 flammes pour devenir aller jusqu'à la division 8. Et là vous arrivez en Ligue Champion. Là regardez, c'est moins 60 tickets en Ligue Champion. Donc pour garder sa division 8, ça va être compliqué. Ensuite c'est 70 tickets et c'est 90 tickets, enfin 90 tickets, c'est incroyable. C'est incroyable. Ligue division 10, tu fais une partie. Regardez les éliminations, c'est 10, c'est 10 flammes. Tu fais une partie, si tu fais pas weekill, bah tu perds, tu descends en division, c'est incroyable. Franchement, ça c'est pour les joueurs super chauds. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwagCoolMec et ciao. Peace.